Bonjour à tous, c'est Philippe Guiguard de Trek Eco Survie Aventure. J'ai choisi aujourd'hui de faire cette première vidéo que je vous envoie du Sénégal en ayant pour thème, en arrière-plan, un arbre que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le Moringa. Le Moringa qu'on appelle ici en Wolof le Nebadaï. Alors c'est un arbre qui est particulièrement important et dont les propriétés sont vraiment absolument utile pour toutes les populations. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, car aujourd'hui j'ai choisi de commencer le cycle de vidéos sur les plantes qu'on trouve en Afrique de l'Ouest par d'abord un jus qu'on boit ici en Afrique de l'Ouest, qu'on boit aussi en Inde, un jus qu'on appelle le bissap. Alors qu'est-ce que c'est que le bissap ? C'est tout simplement le jus, une macération de fleurs d'hibiscus qu'on met au frais et qui est absolument rafraîchissante. Celui qui n'en a jamais bu, lorsqu'il en boit la première fois, il ne peut plus s'en passer. On peut vraiment le dire, on devient accro de cette boisson qui est absolument fantastique. Alors j'ai souhaité vous partager la manière de faire cette boisson parce qu'elle est non seulement rafraîchissante, mais elle ne coûte presque rien à préparer, surtout pour nous, Européens, qui avons la possibilité de pouvoir nous procurer absolument toutes les plantes. Je vais vous donner les détails de cette préparation. Avant de commencer cette préparation, je vais juste vous donner quelques détails qu'il faut connaître sur cette boisson et sur les ingrédients qui permettent de la préparer. Alors les ingrédients sont très simples. Il faut d'abord que vous puissiez acquérir des feuilles séchées d'hibiscus sabdarifa. En général, sur Internet, vous en trouverez assez facilement. Cette espèce d'hibiscus est une espèce dont les feuilles sont roses foncées à rouge. C'est ce qui va donner la coloration de ce jus. Cette plante possède des propriétés qui sont utilisées depuis très longtemps, mais parmi les propriétés qui sont les plus reconnues, et c'est pour cela qu'elle est utilisée, c'est une plante qui est rafraîchissante, qui est diurétique et qui améliore le transit intestinal, c'est-à-dire qu'elle régularise la digestion de manière générale. On dit aussi qu'elle permet de baisser la tension, mais ça c'est un petit peu la conséquence du fait qu'elle soit diurétique. Donc, il n'y a pas là de qualité vraiment intrinsèque sous ce rapport. D'autres personnes disent que cette plante a la propriété aussi de faire maigrir et de régulariser la glycémie. Donc elle permet toutefois, même si on fait abstraction de toutes ces qualités, elle permet d'avoir une boisson qui est absolument exceptionnelle. Il faut dire, quant à la composition de ces feuilles, que lorsque vous avez fait cette boisson, vous aurez une boisson qui est très riche en vitamine C, en vitamine B, en fer, en calcium. C'est une boisson qui a été considérée pendant longtemps comme étant la boisson la plus antioxydante qui existe. Et surtout, vous allez voir, la plus facile à faire. Alors, comment procède-t-on pour faire cette boisson merveilleuse ? Choisissez d'abord sur Internet des fleurs séchées d'hibiscus sabdarifa de bonne qualité. Mettez-en 50 g environ dans un saladier de 2 litres et versez ensuite de l'eau chaude dans ce saladier, que vous refermerez ensuite afin que l'ensemble macère pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, quand l'eau a pris la couleur des fleurs séchées d'hibiscus, filtrez cet ensemble et mettez-le dans une bouteille qui contient les 2 litres que vous avez préparés. Prenez ensuite quelques feuilles de menthe que vous mettez dans votre préparation et ensuite 250 g de sucre en poudre qu'il faudra évidemment bien mélanger dans cette bouteille pour que l'ensemble soit bien harmonieux. Fermez votre bouteille et mettez-la pendant un certain temps
au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche. Vous avez vu que c'est vraiment très facile à faire et vous serez conquis lorsque vous en aurez préparé. Vos enfants seront vraiment absolument ravis de pouvoir se rafraîchir avec cette boisson qui est totalement naturelle et qui ne coûte presque rien, car si vous faites le calcul par rapport au prix d'achat des fleurs séchées, vous verrez que 1 litre de Bissa provient à peu près à 70 centimes, ce qui est vraiment très concurrentiel par rapport à tout ce qui se vend en Europe. Alors, je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est que je vous ai donné donc une méthode qui permet de faire un bissap qui est concentré. Mais en fait, ici, on utilise les feuilles de bissap jusqu'à ce qu'elles soient décolorées. Autrement dit, on ferait une première mouture avec un premier versement d'eau chaude sur les feuilles. Ensuite, on récupère cette eau qui permet de faire le premier bissap. Mais ensuite, on recommence une seconde fois, voire une troisième fois. Alors, le bissap est un tout petit peu plus dilué, mais il reste toujours excellent. Et en fonction de la manière dont vous aimez que ce soit sucré, ben, vous pouvez mettre plus ou moins de sucre et adapter votre boisson. Rajoutez, n'oubliez pas, cette petite touche de menthe, car elle modifie un tout petit peu le goût et apporte encore plus de fraîcheur. Il est évident que ceux qui veulent ensuite faire des modifications supplémentaires peuvent toujours le faire, c'est à leur guise et à leur bon goût. Un petit détail encore juste sur les fleurs de cet hibiscus. Alors d'autres hibiscus pourraient faire l'affaire, parce qu'il y a par exemple ici des hibiscus blancs qui sont utilisés pour faire le tieboudien, c'est-à-dire le plat national du Sénégal. Mais pour la couleur, on choisit globalement, généralement, les fleurs séchées de cet hibiscus, parce que c'est plus agréable de voir une boisson de cette coloration-là. Choisissez aussi, quitte à prendre de l'hibiscus, plutôt de l'hibiscus en feuilles séchées plutôt qu'en poudre, vous savez, parce que dans les poudres, on ne sait jamais ce qui peut être rajouté, on ne peut pas vérifier s'il y a d'autres choses ou de la poussière, tandis que dans les feuilles, on a vraiment quelque chose qui est naturel. D'ailleurs, lorsque je reviendrai du Sénégal, je pense que j'en rapporterai de telle sorte que je puisse vous en proposer peut-être un petit peu. C'est pas sûr, mais j'essaierai de le faire. Voilà. Pour cette première vidéo, vous ne m'en voudrez pas, je l'ai faite chez quelqu'un parce que la savane est assez loin et il y a des horaires pendant lesquels il est difficile d'aller dans la savane. Je vous l'ai dit que pour tous ceux qui me suivent en lecture sur mon site, je rappelle que toutes les semaines, j'édite un petit peu ce que je fais dans le pays, ce que je fais pendant ce voyage. Et je joins à cette histoire des photos qui vous permettent un petit peu de voir comment ça se passe et comment c'est ici. Donc pour tous ceux qui veulent me suivre, vous pouvez aller sur mon site pour le lire. Je l'édite en fin de semaine, c'est-à-dire le dimanche soir en général. Voilà, donc pour cette première vidéo, je suis chez quelqu'un, mais celle qui viendra, je serai dans la savane et là, vous commencerez à voir un petit peu ce que c'est que ce paysage africain dans lequel il y a des végétaux, mais des végétaux qui savent supporter l'aridité et en même temps des végétaux, et ça je l'expliquerai un petit peu plus en détail avant de faire les treks, des végétaux qui ont réussi à s'adapter à ce climat absolument terrible, dans lequel, dans la journée ici, il fait entre 40 et 43 degrés en ce moment, par exemple. Mais lorsque vous êtes dehors au soleil, il fait beaucoup plus que ça. Et les végétaux, comme les animaux, arrivent malgré tout à vivre, ainsi que les êtres humains qui sont ici depuis si longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous apprécierez le bissap autant que je l'apprécie. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.